clap. T'as flippé, hein? L'autre derrière avec Saoudi, il a dû dire « Oh shit !» « Bonjour, comment allez-vous ? » ?»« Merci de bien vouloir nous excuser pour les tremblements de l'image. » Parce qu'en fait, il y a des trous sur la route. Il y a là, voilà. Hein. Et puis aussi, du coup, pour les le petit bruit de merde que ça fait derrière, c'est parce que ça vibre. Aujourd'hui, on va faire le meilleur jeu en voiture. C'est le premier épisode qu'on va tenter de faire. Et donc voilà, c'est parti. Ça peut être une frustration terrible, voire... On pourrait presque dire une petite mort si on n'est plus dans l'action, etc. Et c'est indiscret de vous demander ce que vous allez faire maintenant? Non, pas du tout, je suis... Ah non, ça démarre mal. J'étais pas prêt. C'est-à-dire que c'était la base. Ta mère. Hein. J'ai toujours essayé d'avoir quelque chose de très panoptique, y compris... Pour les saucisses knacky, qui doivent être cuits. Cuite. Ah là, cuite, oui. Cuite comme la cuite. Qui devait être cuite à la poêle et non pas à l'eau. On sait tous que c'est meilleur à la poêle, n'est-ce pas? J'ai été frappé justement par la coupure qu'il y avait entre le monde économique et qui est EDF, hein, qui n'arrivait plus à fournir l'électricité à cause de cette coupure économique. Alors voilà, j'ai été voir Bernard Tapie, j'ai dit écoute, tu peux pas racheter EDF. Putain, c'est chelou quand même d'être parti avec Bernard Tapie quand même là. Ouais. C'est vous, bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge. C'est avec Céline Dacosta. Le ciel va se couvrir en fin de matinée sur la moitié nord des nuages qui nous arrivent du nord-ouest. Et du sud-ouest, donc on est entouré. Il n'y a plus qu'à sortir les parapluies, sortir les sneakers, parce que c'est bien, voilà, c'est tout. On sort les sneakers, soit il bleu, voilà. Et attendre l'orage avec votre parapluie, comme ça, avec un peu de chance, vous allez vous faire électrocuter. Voilà. Ne rigolez pas, vous l'avez fait aussi. Voilà. Et nous venons de réveiller toute la rue, s'ils étaient pas habillés. Ça, c'est un essence, c'est bon, ça. Merci d'avoir choisi France Info, il est 10h. France Info. De quoi ouvrez l'info. Mathilde Munoz pour l'info, bonjour Mathilde. Bonjour. Bravo. Des drapeaux bleu, blanc, rouge sur les champs de circulation, drapeau orange pour les départs en vacances et même rouge. Pour les arrivées, c'est comme à la SNCF, on est tous en retard. C'est le bordel partout, c'est le merdier. Voilà, même sur l'autoroute, les gens ils sont arrêtés, ils font des barbecues contre les voitures, donc comme ça quoi, c'est impressionnant. Les États-Unis sont l'invité d'honneur du défilé du 14 juillet. Donald Trump va y assister dans la tribune présidentielle avec Emmanuel Macron. Jérôme Jeannot est là-bas donc pour semer des œufs. Hein, c'est Jeannot là-bas, tout ça. Bon, il fait partie de sa famille. D'ailleurs, il va falloir qu'on lui demande s'il n'a pas des nouvelles justement de Jeannot là-bas, puisque ça fait quelques années qu'on ne l'a pas vu. Voilà. En attendant, Donald Trump, lui, est là pour manger les œufs, effectivement, avec Emmanuel Macron. Hein, ils vont s'accroupir, faire des choses plus ou moins catholiques. Mais non, c'était bien parti. On m'accuse de faire du sexe avec les potes quand on fait ce jeu. Mais s'il te plaît. En train de passer en revue les premiers soldats sur le haut des Champs-Élysées. Ils sont nus et culottés. Très bien, merci. On sait sa fortune, on sait ses amis, on sait ses mécènes. On sait aussi la taille de... Ah non, on avait dit pas le sexe. Ah merde, la taille de son cul. C'est du sexe aussi. Mais non, c'est du cul. Et une Saxo Jeune Laposte. C'est terrible cette bagnole. C'est quoi ça? Jeune Poussin. Il a acquis une réputation européenne. Donc de ce fait, après sa mort, son nom était toujours là. Vers 1740, il s'était dit, bon, bah, j'en ai un peu marre de peindre, donc je vais rendre mon rang. C'est-à-dire que sa rente qu'il avait eue sur un tableau vers le 18e à peu près. Et puis bon, on lui avait dit de lui pincer puis de lui repasser. Mais quand il avait été au musée du Louvre, il a dit non, c'est moche en fait, tu peux pas mettre le tableau, c'est pas possible. Et en fait, bah, il a décidé de se pendre. Et du coup, on n'a plus de ses nouvelles. Du coup, on n'a plus de ses nouvelles.
Ah là, cette soja de poussin, je l'ai revu repasser sur la rocade. Ceux qui sont mis à l'honneur cette année, les Américains, et notamment les soldats qui appartiennent à la première division d'infanterie qu'on appelle la Big Red One. Et donc, évidemment, on sait tous qu'ils sont là pour casser du sucre, hein, les petits sucres rectangulaires, les casser en deux pour faire des sucres carrés. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais les sucres rectangulaires, ça coûte deux fois le prix d'un sucre carré. Tu vois, c'est une info comme ça à sortir avec les saucisses cocktail. Saucisses Naki, qui je vous rappelle, il faut cuire à la poêle et non pas à l'eau. Parce que c'est meilleur à la poêle qu'à l'eau. C'est meilleur à la poêle. Voilà. Je vais me balader un peu sur le parking, toujours avec Europa. Ah, c'est plus... Ah non. J'aime bien le topo. Allô, Europe 1. Allô, c'est le seul truc que j'aime bien sur Europe 1. Midi. Il y a une question que j'aimerais poser. Allô. Allô, Europe 1. Guillaume Janton. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, bienvenue dans Allô, Europe 1, chaque jour avec nos équipe en région. On va faire la festoyade. Ça sera barbecue party partout. Surtout avec le magnifique temps d'aujourd'hui, la drache et tout. D'ailleurs, les pétards ce soir, ils vont tout mouiller. Oh, nique sa mère! Nous allons festoyer la fête nationale, voilà, avec nos amis. Il y aura Titeuf, il y aura Laurent Delahousse, il y aura William Limergy, il y aura tout le monde. Voilà, donc venez, c'est au parc des expositions à Paris. Merci. En fait, je suis plus concentré sur mon parking que sur... Calme down, c'est quoi ça? Bon voilà, c'est tout pour cette première partie, c'était un peu court mais j'espère que ça vous a fait autant kiffer que nous. Je vous invite à aller voir la deuxième partie sur la chaîne du frérot, ouais. Que je vais vous indiquer là juste après dans la fin de la vidéo, il y aura de quoi cliquer dessus. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée et puis allez voir la deuxième partie sur sa chaîne, je vous le mets là tout de suite en plein milieu pour cliquer, voilà. Salut, salut! The fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm hopping with the D.R.E.